Ils s'appellent Vaiko, Joyce, Ulysse, Newton ou Triskel. Ils étaient les stars du Fan Saint-Martin dimanche après-midi. 12 chiens Terre-Neuve et leur maître du club des Gueules Noires de Mézières-les-Metz ont fait le spectacle au plan d'eau. Le public qui a profité du soleil dominical a découvert ces magnifiques chiens dont la force, l'intelligence et la gentillesse ont de quoi surprendre. Pendant plus de 2 heures, ils ont montré leur savoir-faire dans le travail à l'eau. Recherche de bouées ou comme ici, simulation d'un sauvetage. D'une grande capacité d'apprentissage, le Terre-Neuve met ses qualités au service du sauvetage à l'eau. Éduqué non pas par la force mais par la persuasion et la complicité, c'est un chien qui n'abandonne jamais une action de sauvetage en cours, quelles que soient les circonstances. Rapporter un nageur tombé à l'eau à partir de la rive ou d'un canot, ramener une corde à un canot en détresse, voilà les exercices qu'a découvert le public. Des épreuves faisant partie du programme officiel du championnat de France de travail à l'eau. À signaler, et c'est une performance, que Newton, ici en image, et son maître Marc participeront le 30 mai en Vendée au championnat de France de travail à l'eau. Membres du club des Gueules Noires de Mézières, ils seront les seuls représentants de l'Est de la France à ces championnats. Autre info, le club organisera les 19 et 20 juin à l'étang de Brieux de Mézières un challenge européen et la Coupe des Trois Frontières. Une nouvelle occasion de découvrir ces gros nounours en pleine action. Voilà, très bien, Newton.